Nous sommes à la cave Romagnan, 22 rue d'Angleterre à Nice, la cave Romagnan qui est devenue mythique pour tous les amoureux du jazz. Et on a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Manu Linares. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les activités globalement de la cave Romagnan? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, basiquement, vous avez visité un bar de quartier, puisque c'est sa réalité au quotidien. Dont l'existence doit remonter sans doute au début du siècle dernier, dans les années 1900, au moment où se développait le quartier de la gare, avec une population très bigarrée, puisqu'on a à peu près presque toutes les nationalités de la planète. En tout cas, beaucoup de Maghrébins, d'Espagnols, de Portugais, de Yougoslaves, de Grecs, de Polonais, et notre bonne moitié de Français, et pas que de Niçois. Voilà, ça c'est pour l'ordinaire. Comme activité particulière, je crois qu'il est à signaler qu'on a une petite bibliothèque autogérée, dans la mesure où ça a commencé par quelques bouquins de ma collection privée que j'ai amené moi-même. Et puis au fur et à mesure, le public en a rajouté, 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 à tel point que je commence à être sérieusement saturé. Une petite purge s'impose à terme. Sinon, on fait des expositions de peinture, dessin, photographie, sculpture, renouvelées à peu près tous les mois, assez régulièrement tous les mois. On a aussi des soirées de poésie, on aura une très bientôt dans le cadre du Printemps des Poètes, et une soirée slam tous les premiers mercredis du mois. Ça, c'est pour l'ordinaire de notre culture, de nos activités culturelles. Et l'essentiel quand même, c'est les soirées jazz tous les samedis, à partir de 19h30, où on a l'honneur et le plaisir de recevoir absolument les meilleurs musiciens de la Côte d'Azur, et d'ailleurs, parce qu'on a eu entre autres des musiciens des États-Unis, du Québec, d'Angleterre, de Norvège, d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, d'Italie, d'Espagne et de Corse. Ah, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à programmer du jazz dans cette cave Romagnan, Manu Linares? Le fait que je suis sans doute un musicien contrarié. Donc, c'est devenu ma façon de m'exprimer, puisque j'ai plus le temps de pratiquer moi-même. J'ai fait pratiquer les autres. Non, vraiment, mon plaisir. Au départ, c'était un plaisir très égoïste. Ça a commencé quelle année? En 2000, 2002? En janvier 2001, exactement. Et ça se poursuit depuis. Alors, c'était une fois par mois la première année, deux fois par mois la deuxième année, depuis c'est tous les samedis. Et là, on est programmé jusqu'en 2011. Comment vous avez finalement réussi à amener tout le monde ici? Parce que tous les amoureux du jazz viennent ici pour écouter les artistes. Comment vous avez réussi à fédérer tous ces acteurs du jazz? Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs. Déjà l'esprit du lieu, parce que je crois que c'est un esprit qui, physiquement, pour X raisons, dégage quelque chose de par lui-même. Et puis, mon propre amour pour la musique et le jazz en particulier. Et puis le fait que j'ai un immense, puisque je ne suis pas arrivé à le devenir moi-même, j'ai un immense respect pour les artistes musiciens. Et je pense qu'ils ne sont pas toujours traités à la hauteur de ce qu'ils représentent vraiment socialement. Donc j'essaie de les accueillir et de les traiter le mieux possible. Et puis il y a le retour du public, parce que c'est vrai qu'au fil du temps, il s'est créé un public de gens qui écoutent. Au début, c'était plutôt l'esprit festif, la surprise party, la surboom, la fête. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est affiné. Et maintenant, les gens viennent vraiment pour écouter la musique. Alors, donc, il y a vraiment un partage des musiciens au public. Et je pense que c'est ce qui motive les musiciens à venir ici. Vous savez que pour les musiciens locaux, la première scène, certains même le disent encore, pour être considéré comme un vrai jazzman du coin, il faut qu'il passe par la cave Romagnan. C'est trop d'honneur. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Et voilà, oui, c'est vrai que notamment, ils peuvent dire dans leur curriculum à jouer à la cave Romagnan. Non, c'est des blagues. Mais par contre, malheureusement, les endroits où on produit du jazz se réduisent de plus en plus. Et comme je suis un des seuls, pour l'instant, un des seuls survivants, c'est vrai que la demande est énorme. Alors comment, effectivement, j'essaie d'avoir une programmation équitable
de faire passer tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, et c'est vraiment pas évident. C'est vrai que quand on voit votre programmation, vous êtes un des seuls clubs de jazz qui a une liste d'attente sur plusieurs mois. Oui, donc le bouquet, je crois, en 2011. Et plus même, parce que voilà, y a une liste d'attente, et puis après, au fur et à mesure... Alors comment se fait le choix de ces programmations, Manu Linares? J'ai parlé d'équité tout à l'heure. Oui. Voilà, j'essaie de faire tourner tout le monde. Les chevronnés, les profs du conservatoire, ceux qui ont le boulot, comme ceux qui n'ont pas le boulot. J'essaie vraiment de faire tourner tout le monde. Ma préférence va naturellement au groupe qui compose, qui ont des choses originales à proposer. Même si après, c'est pas toujours évident de les faire passer au niveau du public. Mais ceci dit, voilà, c'est, je pourrais avoir des groupes qui marchent d'enfer, qui ont leur propre public, etc., tous les samedis. Et plutôt que ça, j'essaye de faire passer tous les gens qui ont envie de jouer. Ce qui n'est pas toujours évident en termes de rentabilité, mais tant pis, moins la variété y est, quoi. Et donc voilà, pour qu'on retrouve le même groupe, pas les mêmes musiciens, hein, parce que certains musiciens font partie de plusieurs groupes, donc on peut les retrouver une fois ou deux par mois. Mais par contre, vraiment le même groupe, la fréquence, elle est de une fois tous les six mois. Alors, en ayant quoi, voilà, j'arrive à cycler et à faire que tout le monde puisse, s'exprimer. Alors, la Cave Romania, on le sait, est devenue un lieu mythique du jazz. Est-ce que vous avez deux, trois anecdotes en tête? Des événements qui ont été particuliers, peut-être des musiciens qui se sont invités, vous étiez surpris, comme oui, des grandes têtes d'affiche. Une soirée mémorable avec un super tromboniste italien, Luca Begonia. On a canté jusqu'à, je crois, 7 musiciens qui faisaient la queue pour arriver à faire le bœuf. Pour arriver devant le micro, je crois qu'il y avait 2 trompettes, 3 ténors, 2 altos, quelque chose comme ça. Et un trombone. Et qui étaient tous à la queue de lui en train d'attendre le moment opportun où ils pourraient se placer et faire un chorus. Ouais, ça c'était une soirée mémorable. Sinon c'est vrai que j'ai eu des pointures de l'autre monde. Monsieur Paul Giffrey, entre autres, le dernier saxophoniste, oui, qui n'a jamais joué avec Thelonious Monk. Et quelques-uns comme ça de ce niveau-là. Qui est venu présenter ici d'ailleurs son album ou ici. Oui, oui, oui. Et puis des engueulades aussi, parce que voilà, par exemple, entre mes clients pour qui le jazz, ça veut dire danser et se trémousser, et un professeur du conservatoire, monsieur Jean-Marc Baccarini, pour ne pas le nommer, qui fait une musique très expérimentale et que j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça finit en engueulade entre les musiciens, le public, les portes qui claquent. Et bon, c'est rigolo parce qu'au bout du compte, tout le monde s'est réconcilié et tout le monde revient à la cave. Et voilà. Ça faisait partie des tests et des expérimentations de la Cave Romagnon. La Cave Romagnon est un lieu d'expérience, de découverte, un passeport pour le jazz peut-être? Oui, en tout cas c'est ce que c'est devenu pour ce public qui au début, dont beaucoup au début n'aimaient pas le jazz, quoi. Et ils l'ont découvert live et ça fait toute la différence. D'assister à l'événement, de voir les gens jouer et faire quelque chose avec l'instrument, ça a vraiment changé leur approche du jazz. Et donc, je peux dire que j'en convertis tous les samedis au jazz. Avant de vous quitter, Manu Linares, pour vous, une soirée idéale de la Cave Romagnon, quels sont les ingrédients? Bon, idéal, c'est difficile. Disons que ma formule favorite à moi, c'est quartet. Quartet avec... souffleur obligé, section rythmique naturellement, un instrument harmonique, que ce soit piano ou guitare, voire les deux, alors là c'est le top, et au moins un souffleur. 2 souffleurs c'est encore mieux, trompette et sax. Et là on est au paradis. Et c'était quoi votre instrument, Manu? Personnellement, j'ai commencé par la trompette, après j'ai fait un peu de sax, et actuellement j'ai plus le temps que de faire des percus. Donc je tapote sur tout ce qui bouge. Manu Linares, on vous souhaite bien sûr de pouvoir continuer cette activité et au nom de tous les ménomènes du jazz, on vous remercie très chaleureusement. Merci à vous et venez nombreux supporter nos artistes.